Stas trop trop, Stas trop trop, trop trop rigolo. Las trop trop, Las trop trop, trop trop rigolo. L'âne trop trop, c'est l'ami qu'il nous faut. Il est beau mon cartable. 10, 7, 8. Lily, Nana, regardez, j'ai un cartable neuf comme les grands. Ah oui, il est beau ton cartable. Tu veux jouer avec nous? On fait des concours de saut. Lily a tenu 8 tours et moi 6. Perdu, trop trop. Mais non, c'est pas moi, c'est mon cartable. Venez, on va jouer dans le sable. Ça, on dirait que c'est la colline. Et voilà le château. Oh. 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 Trop trop, passe l'étoile derrière toi pour décorer la tour. Trop trop. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu pourrais faire attention avec ton cartable. Bon, ça ne fait rien. Allons jouer au toboggan. Oh. Yahoo! Yahoo! Trop trop, tu vas à la vitesse d'un escargot. C'est parce que lui aussi a une petite maison sur le dos avec son cartable de grand. Coincé. Ah. C'est à cause du cartable. Mais trop trop, enlève-le pour jouer. Non, moi je veux garder mon beau cartable. Nana, je peux monter à côté de toi? Ah non, trop trop, il n'y a pas assez de place pour toi et ton cartable de grand. Oh. On joue à chat bisou. Tap, c'est toi le chat. Nana, c'est trop tard, le chat bisou. Ouh, ouh, on est là, trop trop. Il est beau mon cartable, mais il me gêne pour jouer. Attention, voilà le chat bisou qui arrive. Trop, réveille-toi. Va vite faire ta toilette. La toilette. Quand on commence au début, c'est toujours embêtant. Brr, c'est froid. Mais quand on continue, après, c'est marrant. D'abord les mains. Ça, ça va. Ensuite, se débarbouiller la figure. Se brosser les cheveux. Et pour finir, les dents. Il faut frotter de haut en bas. J'adore les dentifrices à la framboise.
belle dent blanche. Tu es tout beau, mon trotro. Tu es tout beau, mon trotro. Trotro, tu as fini? Oui. Oh là là, Trotro, mais tu es tout sale. Va vite faire ta toilette. Mais je l'ai déjà faite. Eh bien moi, je crois que tu vas devoir recommencer. Faut tout recommencer. Faire sa toilette au début, c'est toujours embêtant. Mais quand on continue après, c'est amusant. D'abord les mains, ça va. Ensuite, se débarbouiller la figure. Brrr, c'est froid. Se brosser les cheveux. Et pour finir, les dents. J'adore le dentifrice à la framboise. Tu es tout beau, Trotro. Disparu. Bonjour, tu ne veux plus jouer? Tant pis, je m'en vais. De moi. Mais qu'est-ce que tu fais derrière cet arbre? Je joue à cache-cache avec mon ami. Regarde. Ah. Un petit hérisson. Ah. Il est mignon. Ah. Oh. Mon ballon. Mon ballon a dû lui faire peur. J'ai une idée. Suis-moi. On va offrir un cadeau au hérisson pour lui montrer qu'on l'aime bien. Regarde, ça doit être son papa. Ou sa maman. C'est bon? Aïe! Oh! Ouf! Dis Lily, tu me prêtes une de tes moufles? Tiens, Trotro. Comme ça, on peut les caresser, ça ne pique plus.
Maman dort encore. Il ne faut pas faire de bruit, trop. Oh! Bon, ça va. Maintenant, tu vas faire un jeu calme dans ta chambre, d'accord? Oui, papa. Un jeu calme. Pas de tambour, pas de ballon, pas les patins à roulettes. Tout ce que j'aime fait du bruit. Ah! Ça, c'est un jeu calme. Tchou-tchou! Tchou-tchou! Le petit train! Tchou-tchou! Tchou-tchou! Ah! Chut, trop. Tu sais que maman voulait rester au lit plus longtemps aujourd'hui. Ça fait du bruit? Oui. Deviner. Tout ce qui me plaît fait du bruit. Je peux jouer à dormir, c'est un jeu calme. Mais c'est ennuyeux. Bleu, bleu. Ça ne fait pas de bruit, ça. Je suis un monstre! Ah! Oh, tu m'as fait peur, trop. Chut, papa, tu fais trop de bruit, tu vas réveiller maman! Aujourd'hui, je suis musicien. Ah. Écoutez bien, les amis, je vais jouer de l'accordéon. Do, mi, sol. Ouais, superbe. Ah, c'est facile. Je plie, je déplie, je plie, je déplie. Bouing, bouing. Ah, c'est rigolo cette musique. Bouing, 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 bouing. Ne bougez pas. Ce spectacle n'est pas fini. Taratata! La trompette, j'adore ça. Il faut souffler dedans très fort. Encore plus fort. Ça vous plaît, les amis? Merci, merci. Ah, c'est fatigant de jouer. Mais j'ai encore envie de faire de la musique. Vous n'avez pas une idée? Mais oui, quelle bonne idée! Merci, Nounours! Ha! Cette fois-ci, je vais faire encore plus de bruit! Ha! Ha! Oh! Quelle belle casserole! Ça va faire un bon tambour boum badaboum! Ha! Ha!
Boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum. Hein? Boum badaboum, boum, boum badaboum. Mais trop trop. Oh. Oh. Boum badaboum, boum. Je joue bien, dit maman. Tu as raison. Il me manque quelque chose. Des cuillères. C'est comme des baguettes. Boum, boum, badaboum. Boum, badaboum, boum, badaboum, boum. Boum, badaboum, boum, badaboum, boum, badaboum, boum, badaboum. Bravo, Trotro, tu joues très bien du tambour. Boum, badaboum, boum, badaboum. Elle fait du bruit, la musique de Trotro. C'est Nana là-bas. Salut Nana. Elle ne m'a même pas remarqué. C'est vraiment pas juste. Comment faire pour qu'elle me remarque? Et si je l'attaquais? Comme ça. Ya, 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 ya. Non, elle n'aimerait pas ça. Et je n'ai pas envie de faire pleurer Nana, moi. Je vais demander à papa. Il sait, lui, puisqu'il s'est fait remarquer par maman. Papa, papa, papa! Papa! Oui, mon Trotro, que veux-tu? Comment as-tu fait pour que maman t'aime bien? Eh bien, je l'ai invitée à danser. À danser? Waouh! Super idée! Mais je ne sais pas danser, moi. Papa, apprends-moi à danser, s'il te plaît. D'accord, Trotro. Regarde, fais comme moi avec tes pieds. Waouh, waouh. C'est bien, Trotro, tu y arrives. J'y arrive, je sais danser. Merci, papa. Où cours-tu comme ça, mon Trotro? Je vais dans le jardin pour inviter Nana à danser pour qu'elle m'aime bien. C'est bien, Trotro, mais tu sais danser? Non, enfin, si, mais... Viens, je vais te montrer. Tu vois, Trotro, c'est facile. Tu tapes et tu tournes. Je tape et je tourne. Je tape et je tourne. Je tape et je tourne. Oh, yo! Oh là là, c'est le jardin qui tourne. Voilà, tu es prêt, Trotro. Va vite inviter Nana. Merci, maman. À tout à l'heure. Nana. Salut, Trotro. Nana, est-ce que je peux t'inviter à danser? Danser? D'accord, Trotro. Danser. Je fais comme papa ou comme maman? Je sais, je vais faire les deux à la fois. Ça sera encore mieux. Mais Trotro, qu'est-ce que tu fais? Oh, ah. Tu es vraiment très rigolo, Trotro. Oh. La danse, ça marche bien pour se faire remarquer. Maman, est-ce que je peux aller jouer dehors? D'accord, Trotro. Mais d'abord, maman veut un gros bisou de son bébé adoré. Bébé? Pff, mais maman, je ne suis plus un bébé. Je sais, Trotro. Tu es un grand garçon maintenant. À tout à l'heure. N'oublie pas de mettre tes bottes en caoutchouc pour sortir. Oui, maman.
Les bottes de papa, qu'est-ce qu'elles sont grandes! Waouh! Ah, si je les mets, je serai grand! Je fais des grands pas comme papa. Facile maintenant que je suis grand. Hop, 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 vitesse de grand. Hop, 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 vitesse de grand. Salut les copains. Vous avez vu comme je vais vite? C'est parce que je suis un grand. Hop, hop, hop. Hé, trop, tu viens jouer au ballon avec nous? Non, je ne joue plus au ballon. Eh ben pourquoi? Tu ne vois pas? Parce que je suis un grand et le ballon c'est pour les petits. Bon, comme tu veux, trop. Fais la passe, Lily. Comme je suis un grand, il faut que je vous surveille. Oh, oui! But de Boubou! But! Tu as tiré trop fort, Boubou. C'est dangereux, le ballon, c'est terminé. Allez, trop, rends-nous le ballon. Non, terminé, c'est terminé. Viens, Boubou, ce n'est pas grave. Allons faire du toboggan. Attendez, les petits, je dois vous surveiller. Yahoo! Youpi! Attention les petits, pas trop vite! Viens, on descend tous les deux en même temps! Youhou! Non, c'est interdit! C'est dangereux de faire du toboggan à deux! Mais toi, tu le fais tout le temps d'habitude! Oui, mais maintenant je suis un grand! Je dis que c'est dangereux! Tiens, prends un bonbon, Boubou! Moi aussi, j'en veux bien, hein, Lily! Ah non, trop. Les bonbons, c'est pas pour les grands. C'est pas juste. J'ai une idée. Tu es prêt? Oui, Lily. Yahoo! 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 Trop. Prends-moi mes chaussures. Encore un tour. Allez, quoi? Rends-les-moi mes chaussures. Youhou! C'est quand même plus rigolo d'être petit. Le téléphone de maman qui sonne. Maman ne veut pas que je joue avec son nouveau portable. Tiens, trop, c'est pour toi. Pour moi? Merci, maman. Tu fais bien attention, trop. Ce n'est pas un jouet. Oui, maman. Allô? Trop, c'est Lily. Est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, Lily, je t'entends. Où es-tu? Devine. Je suis dans un jardin avec un grand pommier. J'ai trouvé. Tu es dans mon jardin et tu téléphones avec le portable de ta maman. Attends-moi, Lily. Trop, tu me rapportes vite le portable? Oui, maman, juste le temps de trouver Lily. Maintenant, je suis près du pommier. Allô, Lily? Est-ce que tu m'entends? Oui, trop, je t'entends. Je sais où tu es. Lily s'est cachée derrière le pommier. Lily? Mais enfin, Lily, où es-tu? Devine. Ici, ça sent très bon. Ah, moi je sais, tu es dans la cuisine. Mais non, je cueille des fleurs. Des fleurs? Ah, maintenant je sais où tu es. Oh. Ah non, Lily, c'est pas juste. Maintenant, je ne bouge plus. Allô? Trop, est-ce que tu m'entends? Non, je ne t'entends plus. Allez, trop, lève-toi. Va voir au bac à sable, il y a une belle surprise. Une surprise? Au bac à sable? Oui, trop, il y a une fleur pour toi et une fleur pour Nounours. Nounours? Où est Nounours? J'ai perdu Nounours. Mais non, regarde donc au pied du pommier. Ah oui, tu as raison, c'est là que je l'ai laissé. Oui, le pauvre.
Mais comment Lily sait-elle où se trouve Nounours? Parce que je suis ici. Oh. Et Nounours aussi. Tu m'as bien eu. Allô? Trop-trop? Oui, maman, je t'entends. Ça y est, tu as fini de jouer avec mon téléphone? Oui, maman, je dis au revoir à Lily et c'est fini. Allô, Lily, c'est Trop-trop? Oui. Au revoir et à bientôt. Au revoir. J'ai une idée, ça va faire une belle cabane. Ce sera ma cabane à moi. Je vais m'installer tout de suite avec Nounours. Oh! La 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 la. On est bien dans notre cabane, hein, Nounours? Vraiment bien. Tu es là, Trop-trop? Oui, tu as vu ma cabane, Lily? Elle est très belle. Ça doit être rigolo de jouer là-dessous. Je peux venir avec toi? Impossible. C'est beaucoup trop petit pour deux. Enfin, pour trois. Tant pis, je vais chercher une autre cabane. J'ai trouvé une très grande cabane. Bonjour, voisin. Bonjour, voisine. Elle est belle, ta cabane, Lily, mais j'aime mieux la mienne. Chez nous, c'est plus petit, mais on est bien. Hein, Nounours? Oh, Nounours, où es-tu? Oh, 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 aïe. Ma cabane, elle est toute raplapla. Tu peux venir dans la mienne, elle est assez grande. J'ai une idée. Lily, viens m'aider. Voilà, Lily. Ta cabane est encore plus jolie comme ça. Bravo, Trop-trop. Hé, regarde, on peut même faire une entrée. Ah. Nounours, tu viens avec nous? C'est notre cabane à tous les trois! D'accord, Nounours. Aujourd'hui, on joue à la dinette. On va faire de la soupe pour Nounours, pour Trop-trop, pour papa et pour maman. Et pour faire de la soupe, il faut aller ramasser les légumes. Pour faire une bonne soupe, il faut des pommes de terre. Mais les petits cailloux, c'est très bien aussi. C'est bon les pommes de terre. Pour la soupe,
Il faut aussi des poireaux. Oh, j'ai une idée. Je vais mettre du fromage râpé. Ça sera encore meilleur. Touille, touille, touille. Oh, il faut du sel aussi. Plein de sel. Merci, monsieur le camion. Qu'est-ce qu'il manque encore? De l'eau. Surtout, fais très attention, Trotro. Il ne faut pas en renverser. Touille, touille, touille. Et voilà, c'est prêt. Je vais la faire goûter à Nounours, à maman et à papa. Papa, maman, venez vite goûter ma soupe. Tiens, papa, mange ma bonne soupe. Délicieuse cette soupe, Trotro. Tiens, maman, à toi de goûter. Non, ma soupe. Oh, quel dommage. Tu es vraiment maladroite, maman. Pour la peine, c'est moi qui vais faire la soupe pour le dîner, Trotro. Ouf. Heureusement, il en reste juste assez pour la faire goûter à Nounours. Va chercher le tuyau, Trotro. J'y vais. Tu peux ouvrir le robinet, Trotro. Monsieur le rouge, vite, à la pêche. Oh, raté. Oh, encore raté. Tu n'es pas gentil, le rouge. Je vais essayer le vert. Oh, papa, papa. Qu'est-ce qui ne va pas, Trotro? Les poissons, ils ne veulent pas se laisser attraper. Essaie d'être un peu patient, Trotro. Et tu vas y arriver. Voilà. Oh. Comme ça. Ouais, un poisson. Oh, un deuxième. Et tout seul, celui-là. Oh, Trotro, je peux jouer avec toi? Je suis très fort à ce jeu. Fais voir. Et voilà. Don, c'est ma canne. Hé, hey. Je suis bête, moi aussi j'en ai un de jeu de pêche. Je vais le chercher. On fait un concours? D'accord, c'est moi qui vais gagner. Prêt? Partez! Un poisson! Un canard! Un poisson! Un canard! Oh! Vous faites un concours de pêche? Moi aussi, je veux jouer à la pêche avec vous. Attention! Ah, Lily, tu m'as fait rater mon canard. Et le poisson rouge. Ce n'est pas juste. Hé, Lily, un seul jouet à la fois, sinon c'est trop facile avec ton épuisette. D'accord. Bon, on remet tout à l'eau et on recommence le concours tous ensemble. D'accord. D'accord. Trotro, Lily, Boubou, venez goûter. Oh,
Il y en a du monde dans la piscine. Ce sont mes poissons. Ah, ils ont invité plein de copains à goûter. C'est quoi ce drôle de caillou? Toc, toc, toc. Ah! Eh! Mais c'est une tortue! Eh! Ne te sauve pas, madame la tortue! Hein? Maman, maman! Regarde, j'ai trouvé une tortue! Oh! Elle est rentrée dans sa maison! Mais tu sais, c'est une vraie tortue avec une tête et des pattes à l'intérieur! Bien sûr, mon trottereau. Va prendre une feuille de salade dans la cuisine et donne-lui à manger. Allez, madame tortue, sors! N'aie pas peur, je suis un gentil trottereau. Ah! C'est bon, hein? Attends! Elle ne va pas très vite, ta tortue nounours. Viens! Allez, on se promène. Oh, tu fais quoi, trottereau? Je me promène avec ma tortue, je l'ai trouvée tout seule. Elle est belle, mais elle ne va pas vite. C'est parce qu'elle transporte sa petite maison sur son dos, c'est fatigant. Je vais l'aider. Vas-y, mets-la derrière moi, Lily. Ah. Oui, oui! Aucune tortue n'est aussi rapide que la mienne. Alors, tu es contente? Tu vas beaucoup trop vite, trottereau. Oh, elle est rentrée dans sa maison. Ouh, madame la tortue! Toc, 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 tu es là? Peut-être que maman va savoir quoi faire. Maman, ma tortue s'est enfermée chez elle. Elle ne veut plus me répondre. Peut-être qu'elle a envie de se reposer bien tranquillement. Relâche-la dans l'herbe et joue à autre chose. Aglaé! Aglaé! Où es-tu? Ah! Mon Aglaé! Mais c'est ma tortue! Non, c'est la mienne. Elle s'est sauvée de chez moi et je la cherche depuis ce matin. Merci de m'avoir retrouvé ma tortue, trottereau. Moi j'ai retrouvé la tortue de Nana. Moi j'ai retrouvé la tortue de Nana. Maman, elle m'a fait un bisou parce que j'ai retrouvé sa tortue. J'adore la tarte aux fraises. Je vois ça, trottereau. Je vais faire une petite promenade, trottereau. Tu veux venir avec moi? Non, papa, je préfère rester à la maison. Tu sais, aujourd'hui, Boubou vient jouer avec moi. Comme tu voudras. À tout à l'heure. Oh, à tout à l'heure. Maman, où est Boubou? Mais trottereau, Boubou ne vient pas tout de suite. Il arrive tout à l'heure pour le goûter. Va jouer un peu en l'attendant. Oh, je n'ai pas envie de jouer tout seul, ce n'est pas drôle. Il n'y a rien à faire dans cette maison. Le nouveau fauteuil à bascule de papa, je vais l'essayer. C'est rigolo de se balancer avec le fauteuil de papa. Il y a d'autres pour jouer dans cette maison. Ce tapis me semble parfait pour les galipettes.
Je vais battre mon record. Et un, et deux, et trois. Oh, oups! Oh, j'ai presque fait une bêtise. Heureusement que j'ai une autre idée de jeu très amusant. Hop! Ah, oh, voici un magnifique trampoline! Et hop, sur les pieds! Et hop, sur les fesses! Et hop, sur le dos! J'adore sauter sur ce lit! Et voilà une bonne cachette! Mais il n'y a personne pour me trouver! Trop. Oh! Boubou est là! Chic! Boubou est arrivé! Je reste cachée pour que Boubou me cherche! J'espère qu'il va vite me trouver! Trop! Où es-tu? Boubou! Tu m'as fait peur, Trop! Quelle bonne cachette! Je connais une autre, Boubou! Suis-moi! Ça ressemble à une petite cabane! Oh, j'adore ta maison, Trotro. Il y a plein de choses pour jouer. Oui, dans ma maison, on s'y amuse toujours bien. Surtout quand il y a mon copain Boubou pour jouer. J'ai perdu Nounours. Mais où est-il? Ah! Dans ce buisson, peut-être. Nounours, tu es là? Où te caches-tu? Mais où peut bien être Nounours? Maman, j'ai perdu Nounours. Il a disparu. Tu as bien cherché dans toute la maison? Oui, partout. Cherche un endroit auquel tu n'as pas encore pensé, Trop. Bonne idée! Peut-être que Nounours se cache sous le fauteuil de papa pour me faire une farce. Nounours n'est pas là. Peut-être que Nounours prend son bain. Nounours n'est pas là non plus. Peut-être que Nounours a faim. Qu'est-ce que tu cherches là-dedans, Trotro? Eh bien, je cherche Nounours. Mais il ne peut pas être là, voyons. Ferme tout de suite la porte. Mais où alors? Nounours est perdu. Pour toujours. Nounours est forcément quelque part, il suffit de réfléchir. Bois ton lait, Trop, cela te fera du bien. Oh. Quel jour on est aujourd'hui, maman? Dimanche, Trop, pourquoi? Ah, je l'ai trouvé! Ouais, youpi! Ouais! Ouais! J'ai trouvé Nounours! Youpi! Bravo, Trop! Où était-il caché? Nounours était dans ton lit, voyons, maman. Tu sais bien que le dimanche, Nounours aime bien faire la grasse matinée dans le lit de papa et maman. Mais oui, bien sûr. Mon petit Nounours, je t'ai retrouvé. Ah!
petit oiseau. Papa, le petit oiseau dehors, il a faim et il a froid avec ses pattes dans la neige. Il lui faudrait une petite maison avec de quoi manger. Une maison pour les oiseaux? Je crois qu'il y en a une au grenier. Oh, papa, va la chercher s'il te plaît. Moi, je vais préparer les miettes de pain. Une fois repeinte, elle sera toute neuve, ma petite maison à oiseaux. Sois patient, petit oiseau. Je peins le toit de la maison. J'ai presque fini. Voilà. Donne-moi ta maison, Trotro. Je vais la mettre là. Ouh, les oiseaux! Le restaurant des oiseaux est ouvert. Trotro, j'ai fini. Vite, papa, on va mettre les miettes dans la maison. Ah. À présent, si tu veux que les oiseaux viennent, on va se cacher, Trotro. Pourquoi ils ne viennent pas? Ah, en voilà! Mais ils se disputent, les vilains! Arrêtez, ce n'est pas bien! Il ne faut pas vous disputer, sinon je ne mettrai plus de miettes. Revenez! Voilà, ils sont bien sages maintenant, ils ont compris. Ils n'auront plus jamais faim. Moi, je suis Trotro, l'ami des oiseaux. C'est beau la neige. Je vais essayer d'attraper un flocon. Oh, il fond dans ma main. Ah, je sais, je vais faire une boule de neige. Ça sera plus facile. C'est doux comme du coton, mais brrr, c'est froid. Ah! Pour se réchauffer, il faut mettre ses moufles. Voilà. Viens, nounours. Maintenant, on va faire de la luge. Tu entends ce drôle de bruit? On dirait que je marche sur du papier froissé. C'est rigolo de marcher dans la neige. Pour faire de la luge, il faut monter tout en haut. Ah, ça glisse! Je m'enfonce! Oh non! Ah! C'est doudou, ça fait pas mal. Tu n'as pas froid, nounours? Là, tu auras chaud. Bonjour, Trotro. Je peux jouer avec toi? Oui, aide-moi à remonter la luge. Ouh.
montagne. Ouh, maintenant, nous pouvons descendre tous les deux. Prête, Lily, tu n'as pas peur? On va glisser très vite. J'adore ça. Dépêche-toi. Tu ne pousses pas assez fort. Tiens-toi bien. Je pousse très fort et je monte sur la luge. Attends-moi, Lily. Tu vas trop vite. C'est bien de faire de la luge. Oh oui, ça y est, je t'ai doublé. Ouais. C'est encore mieux sur les fesses. Trottinette? Ouais! Elle est belle! Oui, et avec elle, c'est moi qui vais le plus vite! Ce n'est pas vrai, une trottinette, ça va moins vite qu'un vélo! Non! Tu as vu comment je vous ai doublé? C'est parce qu'on n'allait pas à notre maximum! On fait la course si tu veux! Le premier qui fait le tour du jardin a gagné! D'accord! Boubou, tu es l'arbitre! Tu vas voir! 3, 2, 1, partez! Je vais faire une petite pause. C'est trop facile de battre Lily. Oh, la jolie fleur. Allez, c'est reparti. Ah. Oh, Lily est loin. J'ai le temps de faire un pâté de sable. Vite, je dois repasser devant. J'ai été si vite que j'ai le temps de faire un tour de toboggan. Youpi! Lily est encore loin. Je vais refaire un tour. Yahoo! Haha! Encore une fois! Oh non! J'avais oublié Lily! Vite, il faut que je la rattrape avant l'arrivée! C'est Lily qui a gagné! Non, ce n'est pas juste! J'étais en premier et puis je me suis arrêtée et... Je suis arrivée en premier, donc c'est moi qui ai gagné. C'est vrai, c'est elle qui a gagné trop. Oh non, on refait la course, Lily? Non, ce n'est pas ma faute si tu es mauvais joueur, trop. Venez les enfants, il y a du gâteau au chocolat. Le premier arrivé a la plus grosse part. Et cette fois-ci, je ne m'arrêterai pas. Je vais à la pêche aux crabes. Les crabes, on les trouve dans les rochers. Dans les trous où il y a de l'eau. En voilà un! Ah. Viens, petit crabe, dans mon seau, plein d'eau. Coquillage, une
coquille d'huître. Un oursin ? Attention, ça pique. Tiens, un coquillage à pâte. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Une moule ? Et hop, dans l'eau. Une étoile de mer, c'est beau. Et hop, dans le seau. Oh, un poisson doré. Si je pouvais l'attraper. Oh, oh, oh. Et hop. Je rajoute des algues pour qu'ils se sentent bien chez eux. Je vais montrer mes trésors à maman. Oh là là, c'est lourd. C'est parce que mon seau est trop plein. J'ai une idée. Et voilà. Une grande maison pour vous. Hein ? Chaud. Je vais boire un petit peu d'eau. Ah, c'est de l'eau qui pique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas de l'eau qui pique, c'est du crabe qui pince. Mais où est ma voiture jaune? Elle n'est pas ici. Elle n'est pas là non plus. Elle est sûrement dans mon coffre à jouets. Oh, ma trompette! Ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh! Mon flacon à bulles, je l'avais oublié. Ça ne marche pas. Oh, il n'y a plus de produits à bulles. Heureusement que maman sait le fabriquer. Maman, je n'ai plus de produits à bulles. Donne-moi ton flacon, Trotro. Il faut un peu de savon liquide et beaucoup d'eau. Voilà, Trotro, c'est prêt. Regarde, maman, je fais plein de bulles. C'est magnifique, Trotro. Mais va plutôt les faire dans le jardin. Je vais faire la plus grosse bulle du monde. Qu'elle est belle. Ah, je vais la garder pour la montrer à Lily. Oh, oh, je vais en faire une plus grosse et plus solide. Eh bien, je vais en faire plein. Il y en aura bien une qui n'explosera pas. Bonjour, Trotro. Bonjour, Trotro. Bonjour, Lily. Bonjour, Boubou. Vous venez jouer avec moi? J'ai vu tes bulles, alors j'ai apporté mon flacon à bulles. Et moi aussi. Regardez, je crois que c'est la plus grosse bulle du monde. Moi, je vais essayer de faire les plus petites bulles du monde. Bravo, Lily. Et moi, je vais en faire le plus possible. Moi aussi. Que c'est joli. On dirait un jardin de fées.
Ah, je parie que la prochaine qui éclate, c'est celle-ci. Tu es très fort, Boubou. Allez, encore. Ce qui est bien avec les bulles, c'est que quand on a fini de jouer, on n'a pas besoin de les ranger. Oh, les belles framboises. Ah, ça pique. C'est tout doux dans la bouche. Et elle est bien mûre, cette framboise. Elle est sucrée comme un gâteau. Un gâteau. Ouais, youpi. Youpi. Maman, et si on faisait un gâteau aux framboises? Bonne idée, Trotro. Je vais faire la pâte. Et moi, je vais cueillir plein de framboises. Doucement. Oh, toi, tu es trop écrasé pour aller sur le gâteau. Oh, celle-là, comme elle est belle. Elle est trop grosse pour aller sur le gâteau. Hop. Il y en a tellement. Je peux encore en manger un peu. Miam, miam, miam. C'est tellement bon. Oh là là. Oh, mon panier est vide et j'ai presque tout mangé. Heureusement, il en reste encore. Mon panier est bien rempli. J'en ai beaucoup cueilli. Oh, oh, mes belles framboises. C'est bon aussi quand elles sont écrasées. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout cueilli. Ouf, il en reste encore une. Oh non, ma framboise. Rends-moi ma framboise. C'est moi qui l'ai vu le premier. Oh non, l'oiseau, elle est à moi. Oh, il y a des prunes. Je vais les mettre dans mon panier. Maman, tu aimes les gâteaux aux prunes? Oui, c'est aussi bon que les gâteaux aux framboises. Et c'est encore mieux, le gâteau de Trotro sera beaucoup plus gros. Vroom, 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 vroom. Allez, nounours, maintenant on fait un tour de voiture. Vroom, vroom. Oups. Vroom. Dis-moi, Trotro, tu pourrais peut-être penser à ranger tes affaires. Ah, mais c'est que je ne peux pas ranger. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je suis trop petit. Je suis un bébé. Vraiment, moi je te trouve bien grand pour un bébé. Pour être un vrai bébé, non, je dois trouver un biberon de bébé.
tétine de bébé. Un doudou de bébé. Pour être un vrai bébé, il me manque encore une chose. Un is-o-is. Et c'est une poussette de bébé. Oh. Le problème avec les poussettes, c'est qu'on n'a pas le droit de les faire entrer au cinéma. Au cinéma ? Oh, mais tu as raison, quel dommage! Quand je pense qu'on voulait aller voir ce film de cow-boy tous ensemble. Un film de cow-boy? Ce n'est pas très grave. À la place, on ira au bac à sable. Oui, oui, le bac à sable, c'est mieux pour les bébés. Eh bien, mais qu'est-ce que tu fais, Trotro ? Tu ne vois pas comme j'ai grandi ? Regarde, tu as vu ? Je suis un grand. Je ne suis plus un bébé. Je suis Trotro, le plus grand cow-boy de l'Ouest. On va faire un goûter. Ah! Oh! Oh! Tu peux m'aider, Lily? Viens, Trotro. On sera mieux sous cet arbre pour goûter. On va manger du chocolat. On va partager. Le chocolat avec du pain, c'est bon. Oh non! C'est tout fondu. C'est normal, le chocolat, ça fond quand il fait chaud. C'est bon quand même, le chocolat fondu. Oui, mais ça colle. Tiens, rince-toi les mains, Trotro. Moi, j'ai encore faim. Pas toi, Lily? Des gâteaux à la fraise. Ah, ça va être bon. Une abeille! Ne bouge pas, Lily. Tu sais, les abeilles préfèrent les gâteaux aux petites filles. Oh, merci, Trotro. Tu m'as sauvée. Maintenant, j'ai soif. Je n'ai qu'un seul jus de fruits. Et moi, j'ai deux pailles. C'est rigolo de goûter sur l'herbe. Oh oui. Oh non! Il pleut! Notre goûter est fichu! On va être tout trempé! Mets-toi sous la nappe, Lily! Elle va nous abriter!
Votre goûter, les enfants. Merci, maman. C'est bon de goûter à la maison. Une roulade en arrière. Oui. Bonjour Boubou. Quel beau ballon. C'est mon cadeau d'anniversaire. Tu veux jouer avec moi, Trotro? Oh oui, bien sûr. Tiens. Ah, aïe. Oh. Ce n'est pas un ballon à rattraper avec la tête, Trotro. Non, c'est un ballon à renvoyer avec le pied. Hé, hey, mon ballon! Le premier qui l'attrape a gagné. Ah! Où est mon ballon? Il est perdu? Il ne doit pas être bien loin. J'ai une idée! On va faire une chasse au trésor! Et le trésor, c'est ton ballon! Le premier qui le trouve a gagné. Toi, tu cherches dans le potager et moi, dans le massif de fleurs. D'accord, Trotro. Il n'est pas là. Je ne le vois pas. Hé, qu'est-ce que c'est? Trotro, viens voir! Tu as trouvé le ballon? Non, mais regarde! Oh, je n'en ai jamais vu un si beau! Oh, regarde Boubou, j'ai trouvé des billes. Oh, il y en a encore une autre. Oh, Trotro, j'ai trouvé des fraises. Elles sont bonnes, on les cueille toutes. Mais qu'est-ce qui brille comme ça? Oh, un joli bracelet avec des perles de toutes les couleurs. Je le donnerai à Nana. Regarde, Trotro, j'ai trouvé des cailloux avec des petits dessins dessus. C'est rigolo, ce sont des morceaux d'assiettes. On va ranger tout notre trésor dans ce seau. Oh, j'ai retrouvé ton ballon, Boubou. Mon ballon. Il était bien caché. Nous, on adore faire la chasse au trésor. Trotro, viens déjeuner. Mais je joue, maman. Viens vite, ça va refroidir. Tiens, Trotro. Oh non, j'aime pas le poisson. Je ne pourrai jamais manger tout ça. J'ai trouvé, je vais le cacher. Berk, où le mettre? Voilà, sous l'assiette. Ça va pas, ça se voit. Ça ne va toujours pas. Berk, ça ne va pas non plus. Tu as fini, Trotro? J'ai une idée. «
Maman, j'ai fini. C'est bien, mon Trotro. Voilà, je t'apporte ton gâteau. En attendant, remets ta serviette. Oh, comment je vais faire? Tiens, Trotro, voilà ton gâteau. Miam, miam. J'ai fini, maman, je vais jouer. Oh, Lily, Nana, coucou. Tu as un beau ballon, Lily. Allez, on joue à courir derrière. Oh, mon ballon. Il s'est envolé. Mon ballon. Il est parti. Ne pleure pas, Lily. Attends, mon mouchoir. Bravo! Le magicien Trotro vous remercie. Maman, s'il te plaît, tu veux bien me donner des bonbons? Mais Trotro, tu n'entends pas tes petites dents qui crient « Pitié, non, non, pas de bonbons !» Peut-être, mais mon petit ventre dit « les bonbons, c'est très bon !» D'accord, Trotro, je vais t'en donner un. Youpi! Celui-là. Non, plutôt le jaune. Non, le plus gros. Merci, maman. J'adore les bonbons. Mais ça se mange trop vite. Heureusement, maintenant, je connais la cachette. Je ne sais pas lequel choisir. Mais cette fois, je peux en prendre deux. J'ai une idée. Je vais en goûter un de chaque couleur, comme ça, je saurai celui que je préfère. Ceux à la fraise sont délicieux. Ceux au citron sont bons aussi. J'adore tous. Trotro, Lily t'attend pour aller jouer. J'arrive. Bonjour Lily. Bonjour Trotro. Oh. Oh, le vilain petit gourmand. J'ai une surprise pour toi, Lily. Tiens. Oh, merci, Trotro. J'adore les bonbons. On joue à chat? Chat. À table, Trotro. Je crois que je n'ai pas très faim. Les épinards sont prêts. Ça sent bon. Des épinards? J'ai mal au ventre, maman. Ah oui, c'est peut-être ton vilain petit ventre qui te dit que tu as trop mangé de bonbons. Je crois que mon petit ventre me dit plutôt qu'il n'aime pas les épinards.
Papa, papa, regarde, j'ai enlevé mes bottes tout seul. C'est bien, Trotro, bravo, Trotro. Range-les dans le placard, s'il te plaît. Oui, papa. Les grandes bottes de papa, les moyennes de maman et les petites de Trotro. Elles sont vraiment grandes, celles de papa. Hop, c'est facile à mettre. Oula, oula! Mais c'est difficile de marcher avec. Avec ça, j'ai les pieds de papa. Hop, hop. Oh, je vois tout bizarre. Comme ça, je suis papa d'en haut jusqu'en bas. Bonjour, je suis le papa de Trotro. Oh! Bonsoir, Trotro. Hop. Voyons mon journal. Alors, quelles sont les nouvelles? C'est drôle de jouer à papa. Bonjour, madame, maman. Tiens, tiens, mais qui rentre dans la cuisine? Je suis le petit papa. Bonjour, monsieur le petit papa. Le petit papa veut sa tartine de confiture pour lire son journal. Coucou maman, je suis Trotro. Je fais un câlin à mon petit nounours. Tiens, le petit Trotro, voilà une bonne tartine de confiture pour ton goûter. Miam, miam, le petit Trotro va se régaler. Ah non, Trotro, c'est moi. C'est mon nounours. D'accord. Tu as raison, Trotro. Oui, et moi, je suis votre Trotro. Et c'est très bien comme ça. Et la tartine de confiture, elle est pour moi. Trop fort, on ne peut pas jouer dehors. Peut-être que si on dit stop pluie, tous les deux ensemble, elle va s'arrêter. Allez, à 3. 1, 2, 3. Stop pluie! Ça ne marche pas. Eh bien, ça n'a pas l'air d'aller tous les deux. Il pleut et on ne sait pas à quoi jouer. Vous pouvez jouer aux animaux devinettes, par exemple. C'est quoi les animaux devinettes? Eh bien, j'imite un animal et vous devez deviner lequel c'est. Cote, cote, cote. Une poule! Oui, c'est bien. Continuez tout seul pendant que je vais préparer votre goûter. C'est moi qui commence! C'est une grenouille. Gagné, à toi de faire. Facile, c'est un canard. À moi. Miaou, 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 miaou. Je sais, tu es un chat. Oui, comme ça je te mange, petit canard. Oh, je ne suis plus un petit canard, je suis un gros chien. Miaou. Ouf, ouf. Tu ne peux pas me rattraper parce que maintenant je suis un cheval. Tagadak tagadak. Si je peux te rattraper parce que je suis un loup maintenant. Tagadak tagadak.
Et moi, je suis un papa ours qui veut lire son journal tranquillement. Ah Même si le loup m'attrape, je ne crains rien, parce que maintenant, je suis un tigre. Tu ne peux rien faire contre moi, je suis très fort. Je suis un éléphant. Pom, 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 pom. Eh bien moi, je suis un éléphant-tigre. Mais ça n'existe pas un éléphant-tigre. Maintenant si, ça existe, puisque je l'ai inventé. Le goûter est prêt, les enfants. Voilà les garçons, je vous ai préparé de bonnes petites tartines. Nous, on ne veut pas de petites tartines, on en veut des grosses parce qu'on est des gros éléphants. Pas vrai, Boubou? Oui, même que Trotro, c'est un éléphant-tigre. Boing. J'aime bien jouer au ballon, c'est rigolo. Et en plus, je suis très fort au ballon. Qu'est-ce que tu veux, Trotro? Tu joues au ballon avec moi? J'ai encore plein de choses à faire. Non, Trotro, pas maintenant. Oh, dommage. Eh bien, pourquoi ne pas demander à papa? Joli tir, Trotro. Merci, papa. Dis, tu joues au foot avec moi? Pas maintenant, Trotro. Tu vois bien que je suis occupée. Oh, toi aussi. Alors, je peux t'aider? Mais oui. Très bonne idée, Trotro. Tu pourrais mettre les feuilles dans la brouette? Oh. Bon. Et si tu faisais du vélo en attendant que je finisse de jardiner? Bonjour Lily, tu joues avec moi? 9, 12, 1? Non, pas maintenant, parce que là je compte jusqu'à 100, tu vois. 12, 8, 22, 13. Jusqu'à 100? Mais c'est long! Pas maintenant, je te dis. 18, 17, 14, 13, 23, 48. Pas maintenant, 79, pas maintenant. 18. Mais moi, c'est maintenant que j'ai envie de jouer. Au moins, toi, tu as toujours le temps pour moi, Nounours. En Afrique, il était une fois une girafe et un zèbre. Ils adoraient jouer au ballon. Mais ce jour-là, le ballon tomba juste à côté d'un lapin caché dans l'herbe. Ha 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 ha! Oh! Trotro? Hein? Quoi? Eh bien, j'ai fini de compter, tu viens jouer? Pas maintenant. Tu vois bien que je suis occupée. Oh! Alors, le lapin donna un grand coup de pied dans le ballon. Trotro? Trotro! Oh! Et si on faisait une partie de ballon tous ensemble? Oui. Vous voyez bien que je suis déjà occupée. Pas maintenant. On va bientôt dîner. Va vite mettre ton pyjama. Mon pyjama. Miam, miam. J'ai très faim. Viens, on va se laver les mains.
Il est trop joli, le bisou de maman. Je n'ai pas envie de le laver. Oh! Oh! Le beau rouge à lèvres! Je vais jouer à me maquiller comme maman. Non! Non, nounours! Le maquillage, ce n'est pas pour les nounours. C'est rigolo. Avec la crème, ça fait tout blanc. Regarde, nounours, il y a plein de couleurs. On dirait un vrai déguisement. Trop à table. Youpi! Viens, nounours, il y a de la purée ce soir. On est drôle, hein, nounours. Attends, tu vas voir. Une belle cape à rayures. Un chapeau vert. Et hop, un parapluie bleu. Mais c'est toi, Trop-Trop ? Oui, c'est moi. Bonjour, les petits amis. Youpli, youpla, youplala. Je suis le clown Trop-Trop avec mon ami Nounours. Oh. Bravo, tu es très beau, Trop-Trop le clown. Oui, mais Trop-Trop le clown a très faim. Maintenant, Trop-Trop fait une passe. Et c'est encore Trop-Trop qui récupère le ballon. Super, bravo Trop-Trop. Et maintenant, un but. Oh! Oh! Mais c'est un bébé oiseau. Qu'il est mignon. Mais où sont tes parents? Tu ne peux pas rester tout seul, tu es trop petit. Tu ne sais même pas voler. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Je vais te fabriquer un petit lit. Il ne te plaît pas? Peut-être que tu as soif. Non, ce n'est pas ça. J'ai trouvé. Tu as faim. Regarde, il reste encore une glace. Tu vas te régaler. La fraise, c'est mon parfum préféré. Tiens, c'est pour toi. Tu n'aimes pas la glace? Je vais voir ce que je trouve d'autre. Peut-être que tu préfères le fromage. Tu as l'air un peu difficile. Mais je vais chercher quelque chose d'autre. Là, si ça ne te plaît pas, je ne sais plus quoi te donner. Mais que se passe-t-il, Trop-Trop? D'où vient ce petit oiseau? Tu sais, il était abandonné tout seul au pied du pommier, alors je l'ai rapporté à la maison. Mais Trop-Trop, ce petit oiseau a besoin de ses parents. Ils sont partis lui chercher de la nourriture. Alors que faut-il faire, maman? Nous allons le remettre dans son petit nid. Regarde, maman, le petit nid est là. Tu vois, ses parents ne sont pas là.
Pose le petit oiseau dans son nid, Trotro, et nous allons bien voir. Regarde, Trotro, voici ses parents. Oh, il a l'air de bien aimer les vers de terre. Tu vois, Trotro, ses parents savent ce dont il a besoin. Ils ne l'ont pas abandonné. Tu sais, maman, je suis bien content que le petit oiseau ait retrouvé ses parents.